rappelait tout à l'heure dans le film info par Frédéric Bagnada, il y a un renforcement des mesures de surveillance hein, pendant la durée du procès. Et pas que, on est le 7 septembre 2021. C'est 1h50. Oui, ce risque existe. Laurent Nunez le dit, même s'il le dit en essayant d'entourer les choses un peu. Il n'est pas question d'inquiéter tout le monde, mais de fait, le dispositif de suivi semble renforcé. Et la situation en Afghanistan dont on parlait, c'est 18 degrés Celsius. Derrière nous, il y a Besançon, dirige vers Londres, Saulnier, sommes sur la nationale 83. De cet, en tout cas, événement national. Effectivement exceptionnel, comme le disait Cédric Lérin, depuis la libération, et puis aussi de l'environnement politique de la campagne présidentielle. Audrey Gouttard, il y a une menace réelle. Pour avoir amené une note un peu moins négative, depuis 2015, en fait, on n'a pas connu de nouvelles attaques commises par des commandos du type de ceux de 2015, de 2015. Donc effectivement, ces commandos-là, on ne les a plus revus. On a aujourd'hui une vraie menace avec des actes individuels, isolés. Gilles Kepel, je le rappelais hier soir, appelle le djihad d'atmosphère. Oui, on l'appelle low cost, atmosphère, etc. Certains disent que c'est plus de l'ordre psychiatrique que de l'ordre idéologique et politique. Bref, on a effectivement des actes absolument gravissimes commis, mais dans un contexte un peu différent. Je vous rappelle quand même qu'en 2015, le groupe État islamique était florissant, la Syrie était en guerre, ils étaient surpuissants. Aujourd'hui, même si effectivement on a ce contexte afghan qui est quand même très particulier, très différent du contexte syrien de l'époque, on n'a pas aujourd'hui des gens qui souhaitent commettre un djihad en France, ou en tout cas qui l'annoncent, qui auraient les moyens d'arriver à leur fin. Bon, après, c'est ce qui est dit par les services de renseignement, ça ne veut pas dire évidemment que ça ne va pas arriver. Qu'est-ce pas Ganzer, ce sera un procès de témoignages, hein, notamment celui des victimes, au fond, des rescapés, des proches, des familles des victimes. Il y aura aussi, ça va dans le sens de l'histoire, hein, de pouvoir dire les choses des années plus tard. Il y a un travail de mémoire qui est totalement indispensable, puisqu'on a beaucoup parlé des victimes, mais on a peu entendu leur voix. Certains ont écrit des livres, certains ont témoigné, mais il y en a beaucoup qui sont encore des anonymes. Il y a ce besoin d'expression. Oui, je pense que c'est indispensable pour eux, mais pour nous tous aussi, parce que il y a une bonne nouvelle dans ce qui s'est passé le 13 novembre, c'est que la société a fait preuve de résilience, même si le mot est un peu à la mode, c'est-à-dire qu'on a voulu quelque part ranger dans un coin de notre cerveau, de notre cœur, cette horreur que nous avons vécue tous ensemble à Paris, à Saint-Denis, comme à Nice quelques mois plus tard et aussi à Paris en 2015. Et pourtant, on ne doit pas oublier, on doit honorer les morts, les blessés, ceux qui sont encore vivants, qui sont mutilés, hein, estropiés pour beaucoup, qui sont encore pour certains d'entre eux hospitalisés aux Invalides ou dans d'autres hôpitaux partout dans la France. Et on doit aussi leur rendre hommage et les écouter à cette occasion. Allez, nous sommes à la veille donc du démarrage de ce procès, hein, des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Et je vous rappelle, notre mémoire collective aussi, samedi, il y a 20 ans, hein, des attentats du 11 septembre au contour de Tours, du World Trade Center à New York. Allez, Léon, pour la famille s'informer, du FIAR. C'est du Parisien, le FIAR. Alors, il porte sur le bout de la ville moyennement. Absolument, et l'attrait de ces villes. Vous savez, c'est réclamé à la une de l'humanité, peut-être. Je n'ai pas ce genre de mal. C'est pas court, réclamé précisément, parce que historique et l'histoire. Merci également, André Gouttard, Agathe, qu'est-ce qu'on va dire d'abord? Merci à vous. Participé et Sophie Torbinel, ces informés de France Info. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur France Info, bien évidemment. Les Républicains aujourd'hui, puisque les socialistes sont aussi réunis à Montpellier en ce moment pour préparer cette présidentielle, et bien vous êtes maintenant avec un jeune socialiste, un bon sang-barreur. Mon sang-barreur.
Saint-Barœul, c'est une ville de 20 000 habitants qui fait partie de la métropole européenne de Lille. Et aujourd'hui, on va rencontrer Baptiste Ménard, c'est l'adjoint au maire. Il a 27 ans, il est socialiste et il est passionné par la politique depuis qu'il est tout petit. Alors j'ai adhéré au mouvement des jeunes socialistes quand j'avais 15 ans. C'était le cadeau d'anniversaire que j'avais demandé à mes parents. J'ai choisi de m'engager en politique parce que j'avais pas envie d'être seulement spectateur. J'avais envie aussi d'être acteur et surtout je voyais les inégalités sociales, territoriales se creuser. Donc j'avais envie d'agir pour les réduire. Tu voyais déjà les inégalités sociales à l'âge de 15 ans ? Moi, j'étais délégué de classe, délégué au conseil d'administration, donc j'ai toujours voulu m'engager pour les autres. Je suis né à Dakar, au Sénégal. J'ai été abandonné et donc adopté à l'âge de 3 mois par mes parents qui sont enseignants, qui m'ont inculqué les valeurs de la République. Moi, je dis souvent que j'ai adopté mon pays en même temps que j'ai adopté ma famille. C'est peut-être aussi ça qui m'a donné envie de m'engager, envie de se dire, bon, si on a survécu, si on est encore là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Pourquoi le Parti Socialiste ? Il y a des figures socialistes qui m'inspiraient, bien sûr François Mitterrand, dans le Nord Pierre Mauroy, c'est sûr que c'est aussi une figure qui compte. C'est des personnages et des parcours qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie d'appartenir à cette grande famille et à cette grande histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste n'arrive pas à convaincre, et c'est un paradoxe parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de la gauche et de ce qu'elle représente et des combats qu'elle porte, et pourtant elle n'a jamais été aussi inaudible. Qui pourrait rassembler la gauche ? Ah, c'est la grande question. Il faut qu'on arrive. Il y a beaucoup de candidats en tout cas. Moi j'attends d'abord les projets. Moi j'ai jamais entendu mon frère me dire quelle va être votre incarnation à gauche. Non, ils disent mais c'est quoi votre proposition ? Donc on doit porter un message fort. On ne le porte pas, donc il y a beaucoup de travail. Comment tu te vois dans quelques années ? Toujours engagé, pas forcément encore de cette manière-là. Je pense qu'on peut agir de mille façons. Aujourd'hui, en tout cas, je suis engagé dans la vie politique. J'aime ça, j'ai envie de continuer et de réussir dans les combats qu'on doit incarner aujourd'hui. Merci, Baptiste. Merci à toi, Manon. Génération 2022, retrouvez sur franceinfo.fr. Minuit, 5h, c'est la nuit sur France Info.
Jesus.
so well, served us so well. We traveled through hell, know how we fell. I am.
Thank you.
C'est un style complètement différent là que j'aborde. Sur la nationale 83. Maintenant on arrive à Bourg-en-Bresse, on va prendre l'autoroute. Thank you.
Thank you.